Heureux à toutes et tous. Hop là. Re à toutes et tous. Pas de pub. Ah ouais ? Vous savez, les pubs Twitch, c'est toujours un... En fait, si vous avez eu une pub dans les 60 dernières minutes, normalement, vous n'avez pas de pub là. Ou un truc comme ça. Un délire comme ça, je crois. Hein. Du coup, certains en ont, d'autres non. Mais au moins, Mario a bien récup, j'avoue. Les subs ont pas les pubs. Normalement, non. Normalement, non. Ah, Mario, le casino est par là. Bon, en fait, il est fermé aujourd'hui. Il y a des bruits terrifiants qui viennent de la cave. Vous pensez pouvoir faire quelque chose ? Voilà. Dans la cave. Dans la cave. Par exemple, si lui, je lui parle, il me dit quoi ? C'est fermé ? Oula. Mario, par ici, je vous en prie. Ah, il m'attendait, ok. Eh, pas de client, hein. Tout est fermé ici. Faut que j'aille dans la cave, c'est ça ? Oula. Vous sortez d'où, vous, monsieur ? Ah, mais il y a une pièce bleue, là. Je me suis fait bait. Je me suis vraiment fait bait. Merci, Aldorido. Merci pour ton soutien. Énorme. Bon, alors, il faut que je descende. Bon, là, c'est aussi un bait, j'imagine. Voilà, l'enchaînement est magnifique. Ok. Faut... Où sont les fantômes? C'est bizarre. Il se passe quelque chose d'étrange. Où ça, là? Si, alors, si c'est là-bas, moi, laissez-moi passer. Où est la cave? Hop là. Et cette couleur sur la roue, c'est pas normal. Il y a une couleur sur la roue qui est pas normale? Ah oui, mais oui, j'avoue. Les plaques sur la roulette ponce. Ne pas backseat. Arrêtez de me dire quoi faire. Laissez-moi découvrir, laissez-moi trouver. Vous voyez bien, je finis par trouver au bout d'un moment. Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur. Vous savez que là, je peux pas déplacer la caméra. Là, c'est assez infâme. Je peux pas déplacer la caméra du tout. Alors. Attends, mais il m'en sort à l'infini ou quoi? Mais vraiment? Bonjour la Sky Roulette, bienvenue à toutes et tous. Oh, ananas! Qu'est-ce que ça fait? Ah, merci. C'est inefficace, il se moque de toi. D'accord! Tiens, boum. Ah, il aime pas la nourriture épicée. Oh, le clutch! Attends. Merde. Tiens. Et est-ce que t'aimes ça, là? Boum. T'es pas sûr d'aimer non plus. Ah si, ça t'aime bien. Aïe, ouais. Ça, c'est moi, pardon. Bah moi j'ai plus de nourriture épicée hein. Merde. Ok, il revient, ok. Enfin il repart, il va revenir j'imagine, ouais. Il revient, ouais, avec une nouvelle Sky Roulette, ouais. Il va directement être joué par le joueur français. Bon, des thunes. Est-ce que c'est vraiment ce dont on avait besoin? Quoique oui. Mais oui, c'est du joli soin qu'on est en train de se... Mais oui. On se fait plaisir même. Mais oui. Il revient pour la roulette, messieurs, dames.
Ah non. Aïe. Quel combat, quel fight! Il est pas mal ce boss, il est marrant. Allez, la skyroulette, messieurs, dames, la skyroulette! Avec des gains exceptionnels. Allez, du piment. Là, je vais directement choper le piment. Là, il est parti où? Il est là. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il a la chasse? Ah. Oh. Bah. Merci Toshiro. Putain mais... Je sais pas ce que j'aurais dû faire sur la langue. Mais j'ai cru mettre le deuxième sur la langue. Je pense que j'aurais dû... Ouais je... Ça ne fait rien. Je suis contact Covid, j'ai envie de me foutre en l'air, j'aime Sunshine. Ah c'est pas... Honnêtement c'est pas... À moins que tu sois vraiment une personne à risque ou quoi, honnêtement c'est pas très grave, faut juste faire attention évidemment à te confiner et pas... Et pas voir justement des gens à risque ou quoi. C'est surtout ça le truc. Oula. Et ça rejoue. Ok, on va mieux viser. Ah voilà, dans la bouche. Bon par contre ça va, on a compris ça. Et maintenant, j'ai pas, même pas mis vraiment dans la bouche. Hein. Y a plus de piment. Non, y a plus de piment. Merde, est-ce que je l'ai pas juste aidé en éteignant les flammes là? Attends, je vais envoyer ça. Ça, il aime bien. Le durian, il aime pas, je crois. Le durian, c'est pas le truc qui pue. Non, c'est pas ça. Je confonds. Merde. Le durian. Merde. Si, je crois, hein. Peut-être si ça pue, il aime pas, hein. Point d'interrogation. Ah. L'enfer. Eh ben voilà! Pas nous casser les murs, on a bougé! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'était cette petite merde? Excusez-moi. Voilà. Voilà. Ok! Là, là, là. Aïe. Attends, je me suis fait mal en touchant un piment. Ça l'a pas touché. Ça l'a pas touché. Enfin, je sais pas. Ça, oui. J'essaye les autres fruits, hein, du coup. C'est trop loin. C'est trop... Quoi ? Ça n'a aucun sens, je vous jure, il y a des fois je fais un truc, je refais la même chose, il se passe pas la même chose. Ah, c'est loose way. Aïe, c'est loose way. Là, c'est mort. Oh l'enfer. L'angoisse. Il y a des bombes et tout.
Ah mais attends, il aime pas les trucs épicés. Je peux pas genre. Ouais non. Merde. J'arrive pas à les tuer. Ils disparaissent. J'ai plus de vie. Faut faire très attention pour le coup. Ah, je peux aller là. J'avoue que moi j'ai pas trop compris. J'ai capté qu'il aimait pas les trucs épicés. Il va me donner des pièces, c'est parfait. Je vais pouvoir régénérer de ma vie. Il faut que je tente d'autres trucs à lui lancer en fait. Très bien. J'ai failli tomber. Ok. Allez, les fruits comme ça, on tente autre chose. J'ai pas vu. Les fruits. Donc, alors, déjà, premièrement, je vais faire ça. Quand même. Un piment, et puis ensuite un durian, par exemple. Aïe. Ou un fruit quelconque. Ah, d'accord, il est ultra vulnérable et je... Ok, d'accord, ok. Donc il est vulnérable à cause des flammes. Et du coup derrière je peux lui lancer un truc pour lui faire un dégât. Très bien. J'imagine qu'il vaut le faire trois fois. Aïe. Bah super. Oh, oh, oh les deux sons de Mano. Ils sont tellement chiants, je peux même pas bouger. Voilà. Là, j'ai juste à tempo, je pense. En évitant, quand même. Voilà. Je me remets ici. Ok, on va pouvoir le refaire. Envoie-moi un piment. Non, il a sauté. Ah non, c'est bon. J'allais dire il a sauté à la frame, je suis un peu deck j'avoue. Et là j'arrive et... BOUM! D'accord. Hop là. Renvoie le coup de langue. Wouah, la surprise est totale. Je me fais monter en l'air. Ah oui, d'accord, il faut que je fasse gaffe en vrai. Ça peut me faire sortir du... En vrai, je fais ça. Ah non, je voulais arrêter le truc. J'ai 3 vies. Ça, c'est un enfer absolu. Je pense que si on a à nouveau fruit, c'est fini. Sinon, je pense que ça va être chiant. On a pièce, parfait, ça me donne de la vie au moins, c'est déjà ça. Vite pour arrêter. Voilà. On a même pu toutes les prendre, c'est rare. Maintenant, ça va être le moment. C'est le moment! Allez Mario. Ok, ça lui a rien fait, c'est énorme. Ok, t'es prêt? Tu vises bien. Je suis dégoûté. La hitbox est tellement immonde, genre des fois je le mets plus loin, ça marche, des fois non. Genre, tout à l'heure, je l'ai mis beaucoup plus loin, il a bouffé, quoi. C'est ouf. Une fois sur deux, ça lui fait rien, des fois, ça le détruit. C'est quand même dingue, hein. Aïe.
Ok. Il commence à s'habituer à la nourriture épicée, de ouf. C'est exactement ce qui se passe en vrai. Merde. Allez, fais tourner la Sky. C'est chiant, je sais pas comment les tuer ceux-là. Et ces petits caca qui me suivent. Ils me suivent vraiment, hein. Ah, ça repart instant du coup, oui, effectivement. Ok, les fruits s'il te plaît, les fruits. Pendant ce temps j'arrête ça. J'arrêterai l'autre si jamais. Les fruits, parfait. Allez, on va le faire. Allez, on va chercher ça. On va chercher ça, je me mets devant, je fais exactement comme tout à l'heure. Ok, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Ok, lève-toi. Oui, il est mort. Alors peut-être, après toutes ces années, c'est exceptionnel. Je le voyais pas. On a encore eu de la chance, hein. Bon, il était pas très dur, fallait juste capter qu'il fallait lui envoyer ses trucs dans la bouche. Et voilà quoi. Et après le fruit, quoi. Mais c'est vrai que ça tournait de plus en plus vite, on est d'accord, hein. Alors, pas. C'était pas non plus abusé, mais ça tournait de plus en plus vite, hein, je crois. Pimenté ce boss. Merci, Gourdouf. Merci beaucoup. C'était un boss caché. Non, même pas. Non, pas du tout. Quand je suis arrivé, c'est un truc qu'ils m'ont dit. Hein. Nettoyage de printemps à Sirena. Non, c'était pas vraiment bonus. Hein, c'était... Alors, j'ai 3 minutes pour te nettoyer, c'est ça? Cette substance électrique est de retour. Où ça, mais partout. Ok, ah oui, d'accord, c'est... C'est vraiment, c'est de l'instantané, quoi. Je pense que j'y arriverai pas. Il balaye rien du tout, lui. Je suis encore traumatisé par ce niveau. Je crois que c'est un de mes préférés, moi, l'hôtel, en vrai. Ah ! Quel plaisir. D'accord, l'hôtel est top. Ouais, même la DA de l'hôtel est vraiment... Merde, est vraiment belle, quoi. Mais je saute, là. Ah, mais j'ai plus d'eau. Enfin, en fait, moi, j'aime bien l'ambiance, ouais, qu'il y a. D'accord, il y a 1 mm, je me le prends. Oh, j'ai une vie. Où est-ce que je peux récupérer de la vie, ici? Ah, je crois que je peux pas, hein. Je pense qu'il va falloir refaire. Je pense qu'il va falloir refaire là-dessus. Je vais chercher là, mais...
Et si je me mets là et que je fais... Ouais. Ouais, pas convaincu en vrai. Ou alors je reviens avec un autre truc. Je reviens avec... Quoique non. Ah, je sais pas. C'est dangereux le backpack quand t'as une vie. Aïe aïe aïe. Ah putain, tu sais, il reste des millimètres de machin ici. Aïe aïe. Bon, on va le refaire. Je me rappelle avoir galéré de ouf sur ce niveau. Bah non non, je pense que ça se fait. Parce que là j'ai perdu beaucoup de vie. Sinon double gâchette saut pour splasher. Faut vraiment clean le 100%. Je sais pas s'il reste un millimètre, est-ce que vraiment il se passe rien? Ça je sais pas du tout. Je pense pas honnêtement. Splash, splash, splash. C'est quoi que vous appelez le splash? Ça? Ah j'avoue qu'avec ça, ça peut être pas mal. Si vous appelez le splash ça... C'est... Oui, effectivement. On peut tester. On peut tester ça. Ok. Oh, ce génie, merci pour ton prime. Merci beaucoup. Je t'avoue l'avoir fait il y a une semaine et pour le coup, une fois c'est pas passé à 95% et l'autre fois c'est passé à 70%. Ah ouais? Ah ouais, il doit y avoir des zones précises comme des checkpoints, des trucs un peu safe, je pense. Merci beaucoup à Nonode pour le prime, merci. Mec, je t'aime. Merci, Nonode. Ah, c'est un peu nimp, là. C'est un peu cheat, le splash, ouais. C'est le fusil à pompe que j'utilisais au début. J'appelle ça le fusil à pompe, moi. Ah, plus d'eau, bien sûr. Oui, par contre, ça se décharge ultra vite, hein. Ouais, c'est God, tiens, c'est trop fort. Et faut aussi être en neutral sur le joystick. Voilà. Petit tips. Parce que si t'es pas en neutral sur le joystick, ça fait... Voilà, ça fait ce genre de truc. Ça peut faire ce genre de truc, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, mais il y a une bleue, j'avais même pas vu. Ah bah oui, le millimètre. Bon bah voilà, il doit y avoir des millimètres quelque part là, genre là. Tu fais comment? Alors en fait, pour le faire, il faut appuyer sur R. Spammer R et A en même temps, juste en one tap, juste appuyer une fois. Mais c'est assez connu ça. Hein. Mais par contre là... Faut aller le voir. Il y a des trucs en haut. C'est la merde aussi en haut. Oh là là. Attendez, là il y a un truc, je pense. Ah non. Ah non. Attends, je vais la retenter quand même. Non, il y a rien. Non, mais je sais que j'ai fini. Merci beaucoup pour votre information, c'est très intéressant. Il capte même pas. Non, en fait, c'est vous qui captez pas. Calmez-vous.
C'est juste que la dernière fois que j'ai éteint une lumière comme ça, j'ai eu une pièce bleue. J'ai bien compris que c'était arrêté. Juste là, je cherchais une pièce bleue. Ah là 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 là. Incroyable. Courage pompon. Ah ouais, c'est ouf hein. C'est incroyable. C'est incroyable. MDR, il a pas capté quoi. C'est assez ouf. Je cherchais une pièce bleue parce que souvent il y en a des trucs comme ça. Ça aurait été vachement pratique pour les raids tout à l'heure. Je sais pas trop parce que je sais pas si ça les one shot. Tu vois. C'est ça, je sais pas trop. On prend un Animal Crossing de prévu pour la mage. Je sais pas quand est-ce que je referai du Animal Crossing. Après The Event, c'est sûr, pas avant. Peut-être pendant The Event, non je sais pas. Franchement je sais pas trop, honnêtement. L'insaisissable anti-Mario. Il est parti ou je l'ai même pas vu. Il y a un fauteur de trouble à l'intérieur. C'est votre partenaire. Non mais c'est pas mon. Il a dit votre. Ah non, votre portrait craché, j'ai eu peur. Je crois qu'il avait dit c'est votre partenaire, j'étais en mode quoi. Hop. Test. Message en avant, test qui coûte 100 000, c'est un scandale. Aïe. Ok. Merci Zensu. Merci pour ton deuxième mois. Bien joué, bien joué, bien joué. Oh. Ok. Bien joué, Nintendo, encore une fois, qui arrive à trouver le moyen de troll les joueurs. Oh, c'est bien fait. Dis pas qu'il est parti là-dedans. Non. Alors c'est pas là. On va vite voir. Hop. Fabloking Real qui a mis un message en avant. Ça coûte 100 000 pétales pour écrire test. Et là il vient de mettre un message pas du tout en avant en disant effectivement ça marche. Nickel. Oui bah non c'est ça. Bon, il est où du coup, François, là? Bien joué. J'entends un bruit. Il m'attend. J'arrive! C'est pas lui, j'arrive! C'est pas lui. C'est pas lui? Non, c'est lui. Il est où? Waouh, 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 waouh! Il est descendu. Il fait vraiment carnage pour le coup. Reviens! Reviens! Heureusement que j'ai le son, hein. Reviens! L'insolence a son paroxysme, hein. Je l'ai perdu. En bas.
Ah, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau. Attends, tu montes ? Y'a de l'eau ou pas en haut ? J'arrive, attends. Là, y'a de l'eau normalement. Voilà. Attends, j'arrive, bouge pas. Bouge pas. Merci beaucoup, Zensusama, pour ton deuxième mot. Merci à toi. Apparemment, ça marche bien. Je voulais te dire que. Merci, Bellator, pour ce message en avant qui fait ultra plaise. Il est parti où ? Là. Attends, mais mec ! Mec, je te. Oh, mec ! Crois-moi, je suis vraiment gentil. Mais. Oh, mec ! Il a sauté tout en bas, je crois. Mec ! Mec ! Oh, mec ! Oh non, pas encore ! Elle était dure à prendre, celle-là. Tu l'as écrasé. Ouais, non, mais... Si on... Attendez, si on l'écrase, ça le one-shot ou pas ? Non, ça le one-shot pas du tout si on l'écrase. Les pièces bleues. Alors, j'ai cru voir... En regardant un petit peu le chat, j'ai cru voir effectivement que j'avais raté des pièces bleues. Je sais pas checker, j'avoue. Pas checké, mais je sais même pas comment je les ai découverts d'ailleurs. Est-ce que tu vas faire les autres Mario ? Ouais, le prochain ce sera Galaxy, tout à fait. J'ai fait Super Mario 64 qu'on a terminé il y a 2 semaines. Il y a 1 semaine, on a commencé Sunshine. Et une fois qu'on aura terminé Sunshine, on passera sur Galaxy. Salut Pont, je sais pas si t'es au courant, mais il y a... Message non terminé, encore une fois, très très intéressant. En avant, 100 000 pétales. Les pièces rouges de l'hôtel. Ah ! Hop. 3 de Galaxy, c'est plus ma génération. Ouais, je peux comprendre, mais je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve que Super Mario Sunshine a ultra bien vieilli. Alors attention, c'est un 16/9 repoliché, etc. C'est pas du tout le jeu qu'il y avait sur GameCube, vraiment. Mais en termes de gameplay, en termes de game design, de DA et tout, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Un petit peu comme Wind Waker qui est l'opus Zelda sur GameCube, enfin l'opus de base Zelda sur GameCube. Je trouve qu'il a super bien vieilli aussi, que ça soit en termes de gameplay, d'univers, de DA, tout ça quoi. Et c'est kiffant de se dire ça, c'est très kiffant de voir le step-up qu'il y a entre Nintendo 64 ou encore PlayStation 1, hein, on peut faire aussi dans ce sens-là, et GameCube et PlayStation 2 quoi. Entre la première et deuxième génération, je trouve que c'est assez ouf l'évolution, c'est assez ouf. Merci Saruman pour ton troisième mois, merci beaucoup. En fait, si tu regardes sur GameCube, il y a énormément de jeux qui ont super bien vieilli. Et j'ai très très hâte de... Ah merde. Elles sont où ? Merde. Oh là, attendez, j'étais en train de parler au calme avec l'ensemble des fleurs, là, j'étais posé. Ok, va falloir les chercher. Merci Dynamos pour ton deuxième mois, merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais, signer une fleur de l'ombre. Eh ben, c'est super gentil, merci beaucoup. J'en profite dans ce cas-là pour faire une petite dédicace à toutes les fleurs de l'ombre. Voilà. J'en parlais hier, hein, mais toutes ces personnes qui sont là vraiment tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais qui sont là régulièrement et tout, mais qui ne parlent absolument pas du tout, et qui simplement suivent le live, et kiffent le live purement et simplement. Ces fleurs de l'ombre qui représentent l'écrasante, et quand je dis écrasante, c'est vrai, je pèse mes mots, l'écrasante majorité finalement des fleurs. Parce qu'on le rappelle, le chat représente une infime partie des gens qui regardent. Donc merci à vous les fleurs. Je vous souhaite bonne chance, que vous soyez en télétravail, en vacances, confinés, sur WoW, sur League of Legends ou sur n'importe quel jeu du monde. Je vous souhaite de vous régaler. Et tous ceux qui sont au chômage, je vous souhaite... Bon courage dans votre quête du travail si vous cherchez, sinon bon courage quand même, mais d'une autre manière. Attendez, on va faire le chemin, on va quand même aller faire un truc. C'était où déjà ? Ah oui non, c'est pas là.
et ceux en arrêt maladie. À ceux en arrêt maladie, évidemment, je leur souhaite un bon rétablissement. Et j'espère que ces lives vous accompagnent. Voilà. Nice. Merci Sanglier pour le sub-gift à Jean-Luc Mélenchon. Il sera ravi. Il sera ravi, c'est sûr. Oh, j'ai tenté le clutch. Il a failli être absolu, ce clutch. Et ceux en prison, bah ceux en prison, on leur souhaite bon courage, bien sûr. Attends, mais je peux plus aller là-haut ? Ok, non. Il m'en reste 3 là à voir. Il y a un endroit que j'ai pas check, c'est les toilettes des filles. Ok, il y en avait une. Il m'en reste donc 2. Il me reste maintenant le... C'était où déjà ? Là. Casino. Mais toutes mes excuses, mais le casino n'est pas encore ouvert. Ok, bon, il n'y en a pas du coup. C'est pas ici, c'est pas là. Il me reste 1 minute 30. Coucou, merci pour nous. Et même mes enfants te regardent à l'occasion, vivement ce week-end d'ailleurs. Trop drôle. Trop drôle. Les petits matages en famille de stream, des bars. Je sais pas où aller du coup. La panique est totale. Je vais retourner là-bas. Petite ambiance. Je suis pas allé check là quand même, ok non. 1 minute 57 secondes. À mon avis, ça va être chaud. On va faire le labyrinthe. Cette musique de l'angoisse. Attendez, c'était quoi là déjà ? Je sais plus ce qu'il y a là. On va y aller. On va y aller, je sais plus ce qu'il y a. Je sais pas où c'est. La musique est en train de me détruire. Ah, vous l'avez vu ? Merde, je l'ai pas vu. J'ai vu d'autres choses. Vous avez vu une pièce là ? Je la vois pas. C'est pas grave, on va devoir refaire, hein, mais... On va refaire, c'est pas grave. Mais je l'ai pas vu, non. J'ai eu une pièce bleue. En vrai, j'ai une pièce bleue. Merci Bossette pour le prime. Merci beaucoup. Ah, c'était avec la bleue ? Putain, j'ai pas vu. Faut savoir que moi, je vois en noir et blanc aussi, c'est chaud. Hein. Très très chaud. Est-ce que tu connais CZR ? Il fait du speedrun sur Super Mario 64 à la batterie. J'ai déjà vu, je crois. CZR, ça me dit rien, mais par contre, du speedrun Super Mario 64 à la batterie, ça me dit un truc. Allez. Attends, quoi, du speedrun 64 à la batterie ? Ouais. Tu sais, les gens qui ont des batteries électroniques ou n'importe quoi et qui samplent, en fait. Qui font comme si c'était une manette. En vrai, ça se fait souvent. Hein. Moi, j'avais des potes qui s'amusaient à sampler des... Alors, c'était l'inverse, du coup. Mais à sampler des manettes de jeux vidéo pour en faire un instrument de musique.
Mais ça marche trop bien. Ok, hop là. MIDI contrôleur, ouais, c'est ça. Speedrun banane aussi, c'est connu le speedrun banane. Non, je voulais pas faire ça. La perte de temps est insane de ma part. Ok. Je vois rien, c'est énorme. Salut les sangs de la veine, comment ça va? Vous avez l'air bien. Là, y'a rien, je crois. Y'a rien, y'a rien, y'a rien. Yes! Ah non. Et c'est toujours elle, hein. Récalcitrante, hein. Ah non, je pouvais pas monter là. Attendez, mais je suis... Il y avait plus rien là, je crois. Non, il y avait plus rien là. Bon. Du coup, je vais aller plutôt sur le labyrinthe. Labyrinthe, labyrinthe. Ah oui, là. Donc labyrinthe ici, puis après revenir labyrinthe et j'en aurai encore... Il y en a une, je ne sais pas du tout où aller. Alors. Mais là, c'est obligé de connaître par cœur pour ce jeu pour réussir. Non, c'est pas obligé de le connaître par cœur ce jeu pour réussir. Par contre, oui, c'est vrai que t'es obligé de refaire les choses pour y arriver. Enfin, genre là, je pense que tu peux one-shot ça, mais pas simple en vrai de one-shot ça, je trouve. Merci Dylan. Merci beaucoup pour ton 8ème mois. Ça va très bien. Mais après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que maintenant, les jeux vidéo, peut-être c'est moins ça, mais à la base de la base, les jeux vidéo, c'était vraiment tu faisais, tu refaisais, afin de comprendre quoi, ce qu'il fallait faire, pour au final arriver à faire ce qu'il fallait faire. Et du coup, maintenant, ça choque des gens, tu vois, quand tu fais des trucs en plusieurs fois, on te dit « mais OMG », alors que c'est le jeu, quoi. On n'a plus trop l'habitude, alors que c'est un peu la base. Donc apparemment, elle était devant moi, la pièce rouge. Alors, attendez. Non, pas là. Non, c'était là. Et donc là, il y avait une rouge. Là. J'en ai plus qu'une à récup. Rare is the last red. Plus où aller. Bah je crois que je l'ai jamais vu en fait. Je vais remonter. Allez, 1 minute 24. Tu l'avais tout à l'heure. Bah c'est vous qui l'avez vu, moi j'ai rien vu tout à l'heure. Vous l'avez vu, mais moi vraiment je vous jure je n'ai rien vu tout à l'heure. C'est l'apprentissage par l'échec. C'est certes plus dur, mais tellement plus gratifiant. De ouf, je suis d'accord. Je sais pas où aller. J'hésitais à le faire parce que si je me retrouvais coincé en bas, je m'en serais voulu. Si j'étais retrouvé en bas. J'ai même pas regardé où était le soleil, c'est énorme. C'est génial. Nice, parfait, super. Cinq pièces bleues, j'en ai pas beaucoup, hein.
l'île Delfino avec sa place principale. Pourquoi à chaque fois il zoome là? Il veut vraiment que j'aille faire ce truc, j'ai déjà un peu fait. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas fini ça du coup? Est-ce qu'on n'aurait pas fini l'hôtel? Je crois que c'est vraiment mon préféré de monde, l'hôtel. On a terminé l'hôtel. On a terminé. Il reste les 100 pièces, bien sûr. Mais les 100 pièces, je pense qu'on va pas les faire de manière générale. Autant faire d'autres mondes pour kiffer. Les 100 pièces, de manière générale, je les fais pas, sauf... Enfin, sauf si l'objectif c'est 100%, là, bien sûr. Mais sinon, de manière générale, je les fais pas. Alors, j'essaie de checker un truc. Je vais voir si je peux pas monter là-haut. Je crois que c'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais, pardon. C'est plus linéaire que 64, non? Ou c'est ton gameplay qui fait ça? Plus linéaire, dans quel sens tu dis ça? Parce que non, honnêtement... En fait, moi, je trouve le jeu bien mieux réussi que 64, alors qu'ils ont exactement le même système de fonctionnement. Genre, en gros, sur 64, tu as des mondes dans lesquels tu rentres, et tu peux faire l'étoile que tu veux quand t'es dans le monde en question. Tu fais ce que tu veux, quoi, voilà. Si tu sais faire ce truc, bon, bah, tu vas le faire, etc., etc. Là, dans celui-là, non. C'est à chaque fois que tu rentres dedans, c'est une nouvelle chose à faire. Et du coup, l'histoire avance dans le monde même dans lequel tu évolues. Et ça, je trouve que c'est assez, assez kiffant. Comparé à 64, où bah, y a pas ça, du coup. Tu peux pas accéder à tous les soleils tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Non, exactement. Exactement. Comment je peux nettoyer ça? Donc plus linéaire. Ouais, non mais c'est pour ça que je disais qu'est-ce que t'entends par linéaire, parce que c'est pour ça que je me posais la question. Donc oui, dans ce sens-là, oui, c'est plus linéaire. Mais au final, ça en est juste plus agréable, je trouve, vraiment. Des boîtes mystérieuses semblent avoir été aperçues près de la fontaine située sur la grande place. Merci Woody, pour ton deuxième mois. Fait froid, mais pompons sur Sunshine, ça me rappelle l'été. C'est vrai. Putain, j'ai pas vu où était parti le truc. J'ai rien vu, j'ai pas check. J'ai pas checké. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'ai pas regardé. J'étais en train de regarder le chat pendant la cinématique afin de profiter. Ok. Enfin, nous pouvons y aller, messieurs, dames, enfin. Village Pianta. Les champis se déchaînent. Merde, j'ai pas pris le soleil. Je voulais absolument y aller, putain. Qu'est-ce que je fais? Je sors, je prends le soleil. Je voulais absolument aller dans le... chez Pianta. Regardez. C'est pas très grave. Ça me fume. Je viens de traverser un truc. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme.
Attends, ça a reset le truc? Ah, ça a reset le soleil. Ah bah non, je peux pas faire ça du coup. Bah yes. Ah non, faut que j'aille chercher l'autre. Oh là là. Oh là là, quel enfer, quelle galère, quel plaisir. De toute façon, je pouvais pas monter. Attends. Bah oui, je suis obligé d'avoir ça en fait. Parce que sinon, je peux pas monter. Alors si, pour nettoyer le soleil, oui, bien sûr, mais sur le Apianta, je peux pas y aller si j'ai pas ça. Ou alors? Non, je pense que je peux pas. Non, je pense que je peux pas. Parce que là, regardez, pour monter... Alors oui, ça, je peux y aller ici sans ça, je sais, parce que j'y suis allé au tout début du jeu, mais pour monter tout là-haut... Est-ce que je peux... Ouais, en sautant. Ben non, je peux pas. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. C'est possible, mais c'est chaud. C'est quoi le trick pour le faire? Je viens d'y aller. Oui, mais... Sans le truc que j'ai mis là, sans ça, je veux dire. C'est ça que je veux dire depuis tout à l'heure. Je sais que je viens d'y aller. Sans ça. Ça que je veux dire. Pour avoir... Parce que là, du coup, je viens de taper ça dans le monde. Si je saute depuis tout le temps, ça peut le faire en vrai, peut-être. Saut retourné, plus rebond, plus jetpack. Quand je suis tout en haut? En vrai, ça se tente, hein. Honnêtement, ça se tente, hein. Pas chiant le bruit. Moi j'aime bien le bruit du soleil au final. Moi j'aime bien le bruit du soleil. Il est kiffant. Ah oui, les bus me suivent pas. Ok, ok. J'ai toujours les bus de base. Ok, ok. Exact. Alors là-haut, il y avait quoi d'autre? Checker des trucs. Un œuf de Yoshi aurait été aperçu au sommet d'une habitation. Cette nouvelle n'est pour l'instant pas encore confirmée. Nous vous tiendrons au courant dans un prochain flash. Y a pas popcorn, si si de ouf. Si si de ouf, c'est pour ça que je vais pas tarder à y aller. Quoique, bah tu me diras, c'est peut-être le bon moment pour y aller en fait. Parce que on vient de terminer là-haut l'hôtel. Attends, je vais voir ce que j'ai là juste. Est-ce que j'avais tout fait là, je m'en rappelle plus. Ah non! Les pièces rouges du village.
Les pièces rouges, messieurs, dames, les pièces rouges, où est-ce qu'elles sont? Ok, on en observe pas mal. Ah mais oui, c'est le truc avec toutes les tiges là. Voyons voir ça. On va faire que ça, je pense. Hop les. Une. Là, il y en a une deuxième. Ah. Ah oui, d'accord, oui, c'est bien ça, je suis pas obligé de... Ok. Ok, je pense que je vais remonter pour avoir une vision globale de ce qui se passe. Ah merde. C'est énorme. Je sais pas pourquoi, mais ce village me rappelle le village de départ de Toilette Princess. Oh bah un village un petit peu comme ça. Ouais, non, en vrai ça peut faire penser. Bon après moi j'avoue que ça me fait pas trop penser à ça. Mais oh. Ok. C'est peut-être les moulins qui font ça effectivement. C'est même sûr que ce sont les moulins. Ok, ensuite on va remonter. Ah bah. Je vais m'accrocher. Ouais. Ok. Ah non. Nice. Ok. Et les deux dernières sont ici. Non mais... Ça va bon? Ah bah non! Ah! Oh la déception ultime! Ah je suis extrêmement déçu là. On va se remettre dans l'eau pour reprendre un peu de... Oh la perspective c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Une vision 3D pas au top. Ok, alors. The Famous Camera. Je sais pas, je me sens... Non mais c'est ma faute, hein, mais j'avais trop l'impression d'être dessus. Ah! J'en étais sûr que ça allait pas à ce moment-là. Alors. Je vais plutôt aller là. Voilà. Et du coup, là, elle est où, en fait? Ah, mais elle est là! Attends, quoi? D'accord. Ah oui, non, je la voyais pas du tout, là. Je ne la voyais absolument pas, là. Et ensuite, ok. Alors non, je ne joue pas sur émulateur, je joue sur... sur Switch. Je joue sur Switch. Avec la sortie de 3D. Attendez, est-ce que j'irai pas charger cette bleue avant? De Super Mario 3D All-Star. Ah, ça vaut le coup, je pense. Hein. Merde. Eh merde, on ne l'aura pas comme ça. On va remonter. Attends, elle est où? Je vais reprendre de l'eau. Il y a une bleue dans la rivière. Oui, c'est vrai qu'il y a une bleue dans la rivière. Alors, je sais pas où. Là. J'ai failli ne pas sauvegarder. Il y a un nouveau trailer de Hyrule Warrior. C'est vrai? Encore? What the fuck? Allez, accroche-toi. Il y a encore un nouveau... vraiment. Écoutez, on se mate ça après.
Je finis mes rouges et on se mate ça. Que je peux passer là? Le contour est incroyable là-dessus. Ouais, j'ai failli tomber. On va voir tout le jeu sans l'avoir. Bah, c'est un peu ça en vrai. C'est ce que je me dis, hein. La bleue. Ah oui, la bleue! Ah oui, mais la bleue, je la visualisais très mal. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais elle a disparu. Regardez, il n'y a plus son ombre. Elle disparaît. Je la cherche. Là, elle est là. Et là, l'ombre disparaît. Mais c'est peut-être juste parce que je m'approche. Je pense que c'est juste pour ça. Ok. Donc, où est la bloque quand je suis là? J'ai même pas besoin de sauter là, non? C'était quoi ce bruit? J'ai pris quoi? Attends, quoi? Ah oui, d'accord. Ah, ça pousse! Ah! Ok. Maintenant, la dernière étoile. Enfin, l'étoile, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut que je passe chez Grive récupérer un truc pour lui aussi. Il m'a dit tout à l'heure, j'avais oublié. Il y a une bleue sur la colline. Ouais, mais après, il y en a plein des bleus. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, j'ai plus d'eau. Attendez, j'ai plus d'eau. Quel enfer! Très important de boire de l'eau. Hein. Oh, cette caméra, le kiff est ultime. Ah bon? Ok. Voilà! Sympa. Il y a un truc électrique là, ouais. C'est la version Switch, ouais, tout à fait. Tout à fait. Et ben voilà! 39 soleils! 38? Non, 39. 39. C'est bien? 39. Pourquoi à chaque fois il me montre ici, genre? Je sais qu'il me reste quelques soleils ici, mais enfin bon. Est-ce que j'ai un code créateur Epic Games? J'en avais un, c'était RBS-PonceFest, mais en vrai, je suis même pas sûr qu'il existe encore. Merci beaucoup, Aldorido. Donc, partez du principe que je n'ai pas de code créateur. Après, faut que je vois avec Epic où est-ce que ça en est, tout ça, tout ça. Peut-être que je vous en mettrai un. Faut que je check ça. Bon, messieurs, dames, on va regarder le trailer de Hyrule Warriors. Apparemment, il y a un trailer qui est sorti. Ici, je vais sauvegarder. Boum, sauvegarder, oui.